Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à la 8e édition de la Nuit Blanche des chercheurs. Merci à tous d'être là pour cette soirée organisée par Nantes Université en partenariat avec la merveilleuse équipe de Stéréolux qu'on salue. Est-ce que tout va bien pour vous jusqu'à maintenant ? Oui, je vois que certains sont passés par le bar avant d'arriver. Le programme ce soir jusqu'à 22h45 ici est à Stéréolux et dans la halle 6 juste à côté. N'hésitez pas à aller faire un tour. Au programme, plein de chercheurs qui vont venir vous présenter en quelques minutes leur sujet de recherche. Alors vous allez voir, les sujets sont très divers cette année, comme tous les ans. On va commencer par une première conférence, une double conférence qui s'appelle Sens artificiel, donc à laquelle vous allez assister maintenant sur des questions d'informatique. On va ensuite aborder la question de savoir écouter les corps. Vous allez voir, c'est une conférence très surprenante, en partie dansée. La science à l'œuvre dans le brassage de la bière. Ça va être de faire un petit lien justement avec le bar. De la contrainte naît la créativité. Je vous pitch un peu pour que vous reveniez si les titres ne sont pas assez évocateurs. C'est une conférence sur la thématique art-science. Donc il y aura des mathématiques et encore une fois de la danse. Et les dessous le sexe, dessus le genre, qu'est-ce qui précède ? Donc ce sera une question sur le genre et le sexe vu du point de vue de la biologie et du point de vue de la sociologie. Vous allez voir, c'est passionnant. Au programme aussi, pour vous donner envie peut-être de sortir d'ici et aller voir le reste, vous avez des ateliers, des conférences, des science dating juste devant pour parler en tête-à-tête avec des chercheurs. Un spectacle, un DJ set et à la halle 6, des ateliers, des performances art-science et plein d'autres surprises. Donc un programme très riche. La Nuit Blanche des chercheurs, comme je vous le disais, est organisée par Nantes Université et Stéréolux et elle n'aurait pas été possible sans le soutien de l'Europe, de la région des Pays de la Loire, de Nantes Université, de Nantes Métropole et de la ville de Nantes. Que ce soit dit, je vais donner directement la parole au premier chercheur. Je regarde si Harold Moucher est là. Est-il là ? Il est là. Bonsoir. Bonsoir, je te passe le micro et à vous. Bonne soirée. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc je m'appelle Harold Moucher, je suis enseignant-chercheur à Nantes Université et dans le laboratoire LS2N pour le laboratoire des sciences numériques de Nantes. Et je suis là ce soir en fait parce que je suis aussi dans le cluster, je m'occupe du cluster Delphi qui cherche à faire rencontrer les chercheurs du numérique et les chercheurs en santé. Et donc c'est ce cluster qui anime, qui organise cette petite conférence. Et dans ce cluster, on va retrouver des laboratoires du numérique, mais aussi des laboratoires de la santé. Et ce soir, on va voir quatre collègues qui sont du LS2N, comme moi, Laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Donc comme l'a dit Maxime, il y aura deux petites parties. Une première partie plutôt orientée sur la parole et le texte, le son. Et une deuxième partie orienté plutôt sur la vision et les images, la façon dont l'humain voit les visions. Donc sans beaucoup plus de transition, je vais tout de suite donner la parole à Alexandre Brucker, non pardon, à Vincent Lostenlen et Richard Dufour, qui sont tous les deux du LS2N. Bonsoir. Je vais faire marcher les premiers slides. Donc, Richard Dufour, je suis enseignant-chercheur au laboratoire d'informatique et je travaille particulièrement en recherche sur le traitement automatique du langage naturel. Et donc, aujourd'hui, avec mon collègue Vincent Lostenlen, on va essayer de donner un petit aperçu de ce qu'est le traitement automatique donc, du langage avec l'idée de la plus particulièrement la parole et du son. Pour essayer d'appréhender où on en est un petit peu, donc toucher un petit peu les problématiques et surtout essayer aussi de comprendre les limites actuelles et ce qui reste éventuellement à regarder. Donc j'ai mis une première. Un échange. Oui, c'est bon, ça repart. Juste pour donner une première idée de ce qu'on entend par le traitement du langage actuel, donc le traitement du langage, hein. Finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est des problématiques qui sont liées à comment on va pouvoir modéliser le langage, donc extraire de l'information,
Et ensuite, de ce langage, comment on peut l'utiliser, cette connaissance et cette modélisation, pour faire des tâches appliquées. Donc ça peut être de la traduction automatique de la parole, la reconnaissance automatique de la parole, la reconnaissance de son. Et donc techniquement, juste pour donner un aperçu de ce qu'on fait actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on modélise de manière assez large avec des approches plutôt statistiques, donc un peu de mathématiques derrière, ce qu'est la langue. Et ensuite, une fois qu'on a modélisé ce qu'est la langue, on peut l'appliquer sur différentes tâches. Donc on adapte les modèles. Ici, par exemple, à pouvoir traduire automatiquement, analyser des documents, etc. etc. Donc je vais prendre un problème un peu particulier pour montrer ce qu'on fait au niveau d'un domaine d'application qui va être la transcription automatique de la parole. Donc la transcription automatique de la parole, c'est de prendre de l'audio en entrée pour fournir le contenu de parole ensuite sous forme de texte. Donc un exemple ici d'une vidéo, donc une image d'une vidéo avec la transcription textuelle associée. Et donc, où on est parti de manière assez classique sur ce qui est un système de transcription de la parole, qui reprend un peu l'idée de plein de tâches ici, et bien c'est qu'au départ, tel qu'on le modélisait encore il y a quelques années, donc on avait plein de modules identifiés, donc des modules identifiés, on essayait de modéliser ce qu'était l'acoustique. Donc on avait des connaissances humaines pour dire on a tel phonème, comment on les modélise et comment on peut sortir des phonèmes. Et une fois qu'on avait ces phonèmes, on pouvait utiliser un modèle de langue ensuite. Donc c'est une histoire de modèle un peu en cascade. On trouve les sons, puis on transforme les sons en phonèmes. Puis une fois qu'on a ces phonèmes, on essaye de mettre des mots derrière ces phonèmes qui nous donnent derrière une séquence linguistique qui va être potentiellement correcte. Donc les modèles actuels vers lesquels on a tendance plutôt à aller et vers lesquels tout le domaine cherche à aller, c'est qu'on essaye d'enlever au maximum cette connaissance a priori humaine. Donc on sait plus ce que c'est des phonèmes, on ne sait plus exactement ce que c'est la linguistique, donc la langue. Et donc on va passer sur des approches plutôt par apprentissage profond avec ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Donc schématiquement, la manière dont on pourrait imaginer ça, c'est qu'on part du signal audio et on dit au système, prends le signal, transcris-moi directement la parole sans lui donner finalement d'informations, que ce soit au niveau de la langue ou au niveau acoustique. Donc c'est tout le modèle automatique qui va faire le travail. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à pouvoir, au sein d'une architecture, donc finalement d'un algorithme mathématique, qui retrouve lui-même tout seul, donc il va inférer, qui va retrouver lui-même les informations sans qu'on ait besoin de lui donner a priori. Donc il y a plein d'enjeux derrière, notamment en termes de capacité de calcul et du nombre de données. Donc on a besoin de très grosses machines pour apprendre tout ça, et également beaucoup de données a priori. Et donc on a des travaux aussi autour de ça qui nous intéressent, donc notamment sur des problématiques de l'évaluation, donc comment on est capable d'évaluer des transcriptions automatiques de la parole. Donc là, on a des projets de recherche qui peuvent évaluer ici donc les mots. Donc, l'idée ici, c'est plutôt de l'évaluer non pas sur un côté machine, mais un côté humain. Comment les humains perçoivent les erreurs. Et on arrive sur d'autres problématiques. Donc là, j'ai remis un exemple de projet actuel sur lequel on travaille au sein du laboratoire, qui est, vous avez dû en entendre un peu parler, travailler autour de ChatGPT, ce qu'on appelle les grands modèles de langue. Et donc, une des problématiques, c'est comment on arrive à intégrer à la fois l'oral et à la fois l'écrit pour pouvoir faire des requêtes et donc avoir une sorte de dialogue quasi, humain tel qu'on l'entend, utiliser la voix pour avoir des requêtes. Pour l'instant, on travaille surtout au niveau de l'écrit. Donc, il y a des problématiques autour de ça qui sont actuellement menées. Donc, je vais pouvoir passer la parole à mon collègue. Ouais, merci beaucoup. Je m'appelle Vincent Lostanlen, je suis chargé de recherche au CNRS et je travaille en traitement du signal au laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Et à la suite de Richard, je vous propose d'approfondir notre écoute au-delà de l'espèce humaine et d'aller regarder dans le monde animal, en général, ce qu'on peut connaître scientifiquement du son. Alors, la donnée sonore est invisible, évidemment, elle est fugace, mais elle est extraordinairement utile pour l'écologie, pour l'éthologie et pour la biologie en général. Et donc, l'une des premières choses que l'on peut remarquer, c'est la diversité incroyable de sons dans le monde vivant, dans le monde animal en particulier, pour ce qui m'intéresse. Et on s'aperçoit que l'humain occupe finalement une toute petite place dans la diversité sonore. Toutes les voix humaines sont finalement une petite fraction des voix ou des communications animal. Donc c'est comme dans un orchestre, il y a des instruments aigus et des instruments graves, des basses, et il y a des animaux qui chantent plus aigus ou plus graves.
Alors ça, ça peut se mesurer physiquement de façon assez facile en comptant le nombre d'oscillations par unité de temps. Donc on appelle ça des hertz, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Et donc vous voyez ici sur l'échelle des Y, hein, l'échelle des ordonnées, cette fréquence fondamentale, alors là c'est en milliers de hertz, donc ça va de 1 à 6, donc de 1000 à 6000 oscillations par seconde. Et puis vous avez différents animaux pour différentes couleurs. Et donc ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une loi, une relation de proportionnalité, qu'on appelle une relation allométrique, entre cette fréquence fondamentale et la masse de l'animal. Donc typiquement, plus l'animal est léger et plus son chant est aigu. Donc en haut à gauche, vous avez des chauves-souris, hein, qui chantent dans les ultrasons et qui sont des animaux notoirement légers. Et en bas à droite, vous avez l'éléphant qui chante dans les infrasons très graves et qui est l'animal le plus lourd sur le diagramme. Je vais reprendre la petite zapette pour avancer. Si vous regardez bien ce diagramme, il y a quand même un intrus, un élément en dehors de la courbe. C'est ce point rouge ici et c'est le contre-exemple du singe hurleur. Hein, c'est un animal qui est plus léger que l'homme et dont le chant, le cri, est beaucoup plus profond et beaucoup plus grave que l'humain. Voilà donc pour un premier regard sur la bioacoustique ou l'écoacoustique environnementale qui est possible avec des mesures comparées. Et puis si on zoome un petit peu sur une famille d'espèces, ce qui a été mon cas, j'ai travaillé à l'université Cornell, hein, à côté de New York, j'ai beaucoup travaillé sur la migration des passereaux en Atlantique Nord. Donc là, ce sont des animaux qui ont notoirement à peu près la même masse. Simplement, chacun a sa signature vocale. Et donc ici, vous voyez une liste, une forme de pierre de rosette des passereaux avec la signature vocale et la photo. Donc vous voyez un tracé ici en temps fréquence, c'est une représentation en temps fréquence qu'on appelle un spectrogramme. Et vous voyez que ces animaux produisent des trilles et des trémolos. Voilà. L'objectif ici en informatique, c'est d'entraîner des algorithmes de reconnaissance de forme dans le domaine temps-fréquence, dans le domaine des spectrogrammes, afin d'identifier cette signature vocale et afin de compter les passereaux, de pouvoir cartographier la migration, suivre les itinéraires, simplement avec de la mesure acoustique. Alors, les passereaux, c'est une famille extrêmement, un taxon extrêmement étudié, pour lesquels on a beaucoup de données à noter, mais ça n'est pas le cas de tous les taxons. Et donc, à partir de connaissances qu'on pourrait avoir ou de modèles pré-entraînés sur les passereaux, on peut avoir envie d'essayer de les transférer vers d'autres taxons. Donc, en arrivant au CNRS, j'ai fondé un consortium international qui s'appelle Few-Shot Bioacoustics. Donc, Few-Shot veut dire avec peu d'essais. Là, vous imaginez une intelligence artificielle, un modèle de classification qui a un petit nombre d'essais, typiquement 4-5 essais, pour essayer de reconnaître un son. Vous pouvez imaginer, si on fait une comparaison avec l'intelligence humaine, c'est important d'être capable de reconnaître un son avec peu d'exemples. S'il vous faut des milliers d'exemples de tigres pour reconnaître un tigre dans la nature, vous n'allez pas survivre très longtemps. Voilà, donc là on veut apprendre à détecter un son animal à partir de 5 exemples. Alors l'analogie qu'on peut faire avec l'informatique, c'est l'idée de compléter une série. Vous savez, parfois quand vous écrivez avec votre téléphone, votre téléphone vous propose la fin du mot ou la fin de la phrase. Ici c'est un peu la même chose. On commence le travail, c'est vraiment un travail humain, et puis le système propose la fin, et donc ça évidemment ça accélère le travail des écologues et des biologistes. Alors maintenant, je vais faire venir Maxime, si c'est possible. J'ai besoin d'un animateur charismatique, parce que on va jouer. C'est la pression de ouf, très bien. On va jouer et on va voir si vous êtes aussi bon que la machine. Et donc, on va deviner les cris. Alors, mesdames et messieurs, pour le grand jeu de reconnaîtras-tu un animal ce soir, un son va vous être proposé. À gauche, le coucou. À droite, l'hibou grand-duc. On écoute. Avec pas plus d'exemples que ça, parce qu'il ne faudrait pas trop en donner. Est-ce que vous êtes plus fort que la machine ? On va voter d'abord pour le coucou. Qui pense que c'est un coucou ? C'est assez massif, très très beau plébiscite pour le coucou. Qui a déjà vu un coucou en vrai ? Vous êtes particulièrement fort, bravo madame. Maintenant, qui pense que c'est un hibou grand-duc ? Vous êtes minoritaire et vous assumez ce que vous dites, c'est bien.
C'était un coucou, bien sûr. Qui est beaucoup plus facile à entendre qu'à voir, comme beaucoup d'animaux d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une cigale, mais ça n'est pas donné à tout le monde. Deuxième, abeille contre moustique, on écoute. Ah, c'est plus dur. Alors, qui vote pour l'abeille ? Qui est sur l'abeille ? Ouais, vous êtes majoritairement minoritaire, très bien. Et on va voter pour le moustique. Qui pense que c'est un moustique ? Vous en avez bonne déjà réponse. Vu. Vous les avez déjà entendus. C'était le bonne moustique. Réponse. Alors, on corse un peu. On va passer sur... là, c'est un voilà, grand écart. La mouette ou le suricate. Est-ce qu'il y a une population particulière de suricates ? Alors, c'est un suricate de Tanzanie qui a fait une apparition remarquée dans un dessin animé célèbre. Ok, très bien. Vous l'aurez tous reconnu. On écoute. Qui vote pour la mouette ? On est sur la mouette. Qui dit mouette ? On a une demi-main. Ah, un peu plus, 3-4. Ok. Qui dit suricate ? Bravo, très vous bien. Êtes fort. Parfait. Trop balèze. Impressionnant. Ah, voilà. Super. Alors, on passe maintenant sous la mer. Vous avez deux espèces, le dauphin, le magnifique, et le grondin, le chelou. On écoute. C'est très, très court, là. Il n'y avait pas beaucoup d'enregistrements. Est-ce que vous pourrez propager la suite dans votre esprit pour entraîner votre modèle ? Alors, qui vote pour le dauphin ? Qui est sur un dauphin ? C'est plus balèze. Ouais, d'accord, dauphin. Et qui est sur le grondin ? Et cet animal-là, grondin volant, avec leurs petites pattes qui permettent de marcher, là. Moi, je dirais qu'il faudrait recompter, là. C'est comme les élections américaines, il y a débat. Je ne sais pas. Quelle est la bonne réponse ? C'était un dauphin. Bravo à vous, vous pouvez vous applaudir parce que c'était vraiment très beau match. Très, très beau match. Bravo. Merci. Merci, Maxime. Merci, je vous en prie. Alors, juste pour conclure rapidement cette présentation qui a été très animée par les sons ici. Donc, vous avez vu aussi les capacités d'un système qui s'approche. Donc, dans l'idée, là, vous aviez des images aussi où vous pouviez faire des hypothèses qui peuvent être souvent justes, même sans connaître l'animal, hein, sur des capacités des systèmes ont un peu la même chose. Donc, maintenant, on a de très grandes capacités qui peuvent inférer sur, finalement, on a très peu de nouvelles données et on est capable de faire une nouvelle tâche. Donc, c'est un peu la même idée. Il y a encore plein de choses à faire. Et puis, nous prendrons avec plaisir vos questions pour répondre voilà, à vos interrogations, s'il y en a. Merci. Ah, on prend les questions tout de suite. Donc, on va pouvoir prendre vos questions. Merci beaucoup Vincent et Richard pour cette présentation dynamique. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Je ne vois pas très bien. Là, il y a une question et je sais qu'il y a un micro qui peut arriver juste à vous. On vous écoute. J'avais une question par rapport au premier graphique sur les fréquences sonores et sur la taille des animaux. Est-ce que ça fonctionne aussi sur les mammifères marins ? Par exemple, je pense à la baleine. Elle se situerait où dans le graphique ? Alors, je sais que les baleines peuvent chanter très grave et très aigu, donc il est probable que ça ne soit pas un point sur le graphique, mais plutôt une sorte de barre verticale. Donc qu'on soit en dehors de la courbe partiellement, c'est vrai. Ok, c'est plus pour du terrestre, du coup, du mammifère, enfin des animaux ou des mammifères insectes terrestres. C'est une bonne question. Je ne peux pas m'avancer. Une autre question ? Oui. Allez-y, vous avez l'occasion. Réfléchissez aux questions pendant que les autres parlent. Est-ce que vous avez déjà identifié des entreprises qui pourraient être intéressées par cette fonction ? Ce que vous développez ? Cette fonction, vous me parlez, c'est à moi que vous parlez ? Oui. Ah, d'accord. Oui. Alors, non seulement je les ai identifiées, mais elles ont identifié la problématique. Oui, il y a des enjeux de suivi environnemental assez importants aujourd'hui. Oui. Dans les parcs naturels, par exemple. Alors, à côté d'ici, il y a le parc naturel de Brière, avec lesquels on travaille. Voilà. Okay. Ce n'est pas vraiment une entreprise, mais c'est, disons, une... Le but, c'est de compter les animaux, en fait. Oui, c'est ça, les recenser.
Donc c'est un acteur non universitaire, on va dire. Moi, j'ai une question sur les données. On a vu dans l'exemple du son, on pouvait apprendre avec très peu de données, en tout cas les humains, on a l'impression qu'ils sont capables d'apprendre même sans avoir vu un drôle de poisson et de se rendre compte que c'était peut-être ça. Pour le texte, il vous faut combien de quantité de texte pour pouvoir adapter les systèmes existants à des nouvelles applications ? Donc sur les problématiques d'adaptation, en fait, l'enjeu effectivement principal, c'est le modèle initial. Donc là, sur les très gros modèles de langue, notamment sur ce qui a été entraîné ChatGPT, c'est des milliards et des milliards de données textuelles qui ont été emmagasinées, utilisées pour pouvoir créer ces gros modèles. Et effectivement, on arrive sur ces capacités génératives et en tout cas qui peuvent s'appliquer à de nouvelles choses. Et donc, finalement, avec très peu de données, il y a même des tâches qu'on peut inférer avec zéro donnée. Donc, on est capable de traiter une nouvelle tâche. Donc, par exemple, si on fait de l'analyse de sentiments, donc on peut prendre un texte et voir est-ce que il est plutôt positif, négatif, voilà. Et sans avoir vu cette tâche, donc sans avoir donné cette tâche au système, il est capable, simplement en lui demandant quel est le sentiment de ce texte, il est capable de donner une réponse et donc d'inférer une réponse qui est plus ou moins juste, hein, parce que les capacités sont compliquées. Mais avec, c'est un peu la même chose hein, sur le son, hein, avec un ou deux exemples finalement qu'on peut lui donner derrière, et avec simplement un ou deux exemples, il est capable de résoudre de mieux en mieux la tâche. Donc il y a ces capacités-là qu'on n'avait pas avant. Donc avec des systèmes plus classiques, on avait besoin de centaines, voire des milliers de documents pour faire une tâche, donc qu'ils soient annotés. Maintenant, avec zéro ou quelques documents, on est capable de résoudre des problèmes qui n'étaient pas, qui nécessitaient beaucoup de données de qualité avant. Merci. On attend pour une question encore, si vous voulez. Un curieux ? Une curieuse ? J'ai encore une petite question. Tu as parlé d'annotation des données. Est-ce que dans vos domaines, il y a des actions de sciences participatives où le grand public peut venir participer du coup à l'annotation des données ? Alors sur la parole, il y a effectivement des alors il y a eu des travaux participatifs donc à récolter déjà des données vocales, des données audio donc parce que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est d'avoir des données, donc il y a des données qui ont été récoltées qui sont ouvertes, donc n'importe qui peut les utiliser, donc ça c'est des consortiums. Il y a des gens qui travaillent à transcrire ces données donc pour avoir du texte plus de l'audio pour faire des choses, mais c'est vrai que des initiatives sont un peu moins ouverte sur le texte, un peu plus sur la parole, parce que la voix, c'est assez difficile à collecter. Le texte, c'est finalement... Bon, il y a d'autres enjeux, notamment sur est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces données, mais c'est assez simple à collecter, dans le sens où, par exemple, le web est vraiment un terrain super pour collecter plein de données textuelles, et comme on n'a pas besoin forcément d'avoir d'annotation pour faire certaines choses, on se retrouve à collecter des grandes masses de données avec un coût qui est relativement négligeable. Et en bioacoustique, on ne serait rien sans les sciences participatives et sans des plateformes de partage de données acoustiques. En Europe, on a Xenocanto, xenocanto.org, qui est une organisation à but non lucratif et qui est absolument magnifique, hein, puisque vous cherchez une espèce et vous avez plein d'exemples de cette espèce. Donc vous imaginez l'intérêt pour l'apprentissage. Merci à tous les deux. Je vous laisse les applaudir. Et pendant cela, on va changer d'orateur. Vous pourrez peut-être les attraper après autour du bar pour poser d'autres questions. Et donc maintenant, on va accueillir Alexandre Brucker et Mathieu Da Silva Pereira qui vont nous parler de vision. Et donc, ils sont tous les deux chercheurs au LS2N et dans l'équipe IPI pour Image, Perception, Interaction. Alexandre. Bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est celui-là, qui est un regard sur le regard. Donc on va s'intéresser à la manière dont les gens regardent. Alors pas forcément la manière dont ils interprètent les choses, mais juste la manière dont se porte leur regard sur des éléments. Donc pour ça, on va d'abord vous expliquer finalement qui on est. Alors pas forcément ce qu'on fait Alexandre et moi dans la vie, mais plutôt dans notre équipe de recherche. Harold a dit... Cette équipe, elle s'appelle Image, Perception, Interaction. À quoi on s'intéresse ? Et en particulier, à quoi
les différents mots, image, perception, interaction, à quoi ces mots sont liés sur la thématique du regard. Donc on s'intéresse à des images. Une image, c'est effectivement habituellement pour vous ce que peut capturer une caméra, un smartphone. C'est un ensemble de points, de pixels. Ça peut être aussi une vidéo, ça peut être des données 3D qui représentent une scène. Et pour nous, c'est même plus généralement ce qui représente une scène, c'est-à-dire que ce que vous voyez actuellement et nous deux sur la scène, c'est une image. Elle n'est pas forcément numérique, mais c'est une image. Donc on s'intéresse à ce média-là et on s'intéresse surtout à la manière dont les humains vont les percevoir. Donc là, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'image de tout à l'heure qui était une scène dans un bar, dans un pub? C'est qu'en réalité, les humains ne sont pas des appareils photo, ils ont un système visuel avec un œil, un cerveau, un système visuel, un ensemble de chemins qui passent dans leur cerveau qui font un certain nombre de traitements. Et là, par exemple, nos yeux ne perçoivent pas les choses comme une caméra. Globalement, on perçoit très mal les couleurs dans la partie périphérique de notre vision. On perçoit la couleur que dans la partie centrale et on ne perçoit aussi les détails que dans la partie centrale. Et ça, forcément, ça a un impact sur la manière dont on appréhende le monde et dont on le perçoit. Donc, nous, on étudie ça, en partie, et on essaye de le reproduire pour que des machines puissent faire la même chose que nous. Alors, on peut se poser la question de à quoi ça peut servir, effectivement, et c'est là où vient l'interaction. On va essayer de voir en quoi la prise en compte de la manière dont les humains regardent les choses va changer certaines technologies. Alors, ça peut être des choses assez simples de se dire, finalement, comment, quand on compresse des images, le fait de voir qu'on va regarder certaines zones nous renseigne sur le fait qu'elles ont été plus ou moins bien compressées. Ça peut être aussi des choses plus liées réellement au mot interaction, l'interaction humain-machine, où là, on va essayer de reproduire, par exemple, des avatars qui vont avoir un comportement humain et donc avoir un regard qui va être crédible. Donc sur ce point-là, je vais passer la parole à Alexandre qui va vous donner plus de détails. Merci. Bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est Alexandre Brucker. Je suis enseignant-chercheur au LS2N. On a dit qu'on allait vous parler de vision et de vision artificielle. Donc, je pense que la meilleure façon, c'est de vous montrer, de commencer par un petit exemple. Donc, ce que vous allez voir, c'est un personnage dans un environnement virtuel qui va regarder, explorer visuellement son environnement. Donc, évidemment, on est dans un bar. Donc, il y a une télé dans le fond, un match qui joue. Et le personnage va venir assez naturellement regarder. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, on n'est pas sur de la motion capture. Ce n'est pas quelqu'un dont on a enregistré les mouvements des yeux, les mouvements de la tête, et qu'on rejoue sur un personnage artificiel. C'est vraiment un modèle qui n'a pour entrée que ce qu'il voit, et qui prend de lui-même la décision d'aller regarder la télé, d'aller regarder les tireuses à bière. Donc, on peut prendre un autre exemple un petit peu pour montrer le genre de qualité de rendu qu'on peut obtenir de ce genre de modèle. Et en fait, le réalisme dans le mouvement des yeux, dans le mouvement de la tête qu'on peut obtenir, encore une fois, c'est vraiment un modèle qui prend toutes ses décisions. C'est un modèle qui va bouger les yeux, qui va bouger la tête, qui va bouger le personnage. Donc, la question qu'on se pose maintenant, c'est comment, en partant de rien, on fait pour obtenir des simulations de vision, artificielle de cette qualité-là. Et en fait, tous nos travaux dans l'équipe IPI, on se concentre sur trois grands axes. Donc le premier qui est un axe qu'on va appeler mesure, ou qui pourrait aussi s'appeler de la collecte de données, où on se pose la question comment nous, humains, on perçoit notre environnement. Et pour répondre à cette question, on a besoin d'un certain nombre de données pour analyser tout ça. Une deuxième partie qui va plutôt être de l'explication, donc à partir des données qu'on a récupérées, comment est-ce qu'on vient expliquer certains comportements. Et une dernière partie qui va vraiment être de la modélisation. Donc maintenant qu'on connaît la façon dont on appréhende notre environnement visuel, comment est-ce qu'on peut répliquer ça à des modèles. Donc pour la partie mesure, on se repose surtout sur un instrument qu'on appelle l'oculomètre. Donc c'est un instrument de mesure qui permet de détecter la position de l'œil dans une scène visuelle, donc qui permet à la fois de répondre à la question où est-ce qu'on regarde quand on regarde une image, mais aussi de répondre à la question comment est-ce qu'on regarde. Donc est-ce que je vais faire beaucoup de saccades? Est-ce que mes yeux vont plutôt rester fixes ou pas? Est-ce que je vais faire beaucoup de mouvements de tête, etc., etc. Donc la deuxième partie, ça va être une partie plutôt interprétation, où là on va pouvoir répondre à des questions
qu'est-ce qui, dans la scène, va venir attirer notre regard. C'est typiquement ce que vous avez en exemple ici, avec ce genre de carte topographique qui vient mettre en avant les objets d'intérêt dans une scène. Mais ça peut aussi être des questions, par exemple, quelles vont être des stratégies d'exploration visuelle quand on montre la même image à deux groupes de personnes. Donc on a un exemple ici dans le domaine médical, où on a montré des images médicales pour but de diagnostic à des médecins experts sur ces images-là et à des médecins un petit peu plus novices. Et on voit qu'on a des façons d'explorer l'image en fonction de l'expérience qui sont quand même assez différentes. Et puis, on a une dernière partie qui est la modélisation de tout ça. Et donc pour ça, on a deux stratégies principales pour modéliser. La première, c'est de se reposer sur ce qu'on a appris dans notre phase d'explicitation, dans notre phase d'interprétation. Et donc c'est ce qu'on va appeler des modèles plutôt boîte blanche. Donc on va, par exemple, on a pu apprendre que quand on fait des saccades, on a tendance à faire des saccades plutôt sur l'axe horizontal et très peu sur l'axe vertical. Quand je veux regarder quelque chose qui est hors de mon champ de vision, je vais d'abord faire une saccade, puis ensuite bouger la tête. Et donc tout ça, on peut en faire des règles qu'on va donner à un modèle d'intelligence artificielle et qui va suivre très explicitement ces règles-là. Alors, on a également une deuxième stratégie qui, là, est un petit peu la stratégie inverse, la stratégie boîte noire. Donc, je vous ai dit qu'on avait récupéré plein de données sur la façon dont les humains regardaient des images. Et maintenant, on peut prendre un modèle complètement paramétrique avec plein de boutons dont on ne sait pas forcément ce que les boutons font. On lui demande de ressortir une réponse à partir d'une image en entrée et on va tourner les boutons jusqu'à ce que la réponse corresponde à ce qu'on observe dans les données humaines. Alors l'avantage de ces modèles-là, c'est que c'est très performant, ça fonctionne très bien. Vous avez aussi des exemples sur le son de ce type de modèle. Le gros désavantage, c'est qu'on ne sait pas à quoi correspondent les boutons dans la réalité physique. Donc c'est un petit peu plus compliqué d'expliquer pourquoi notre personnage fonctionne comme ça. Alors, pour les animations que vous avez vues avec les personnages virtuels, en fait, c'est un modèle qui combine un petit peu ces deux approches, avec une partie boîte noire où le personnage imite des comportements humains qu'il a appris, et une partie boîte blanche où on contraint quand même cet apprentissage par des règles physiques qu'on connaît. Alors, une fois qu'on a tout ça maintenant, une fois qu'on a nos modèles, une fois qu'on a notre interprétation, une fois qu'on a nos données, eh bien, ce qui va nous rester à faire, c'est d'aller dans la nature et puis d'utiliser tout ça pour faire des choses. Donc là, je vais laisser la parole à Mathieu. Voilà, je vais illustrer un petit exemple de comment on peut modéliser la vision et l'attention dans un cas particulier qui est l'attention en champ étendu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? On vous a parlé de modèles, effectivement, on vous a montré qu'on pouvait utiliser des appareils, des oculomètres pour pouvoir mesurer où regardent les gens. Généralement, ça, on le fait sur des contenus qui sont regardés sur des écrans, alors soit des écrans devant un bureau, soit des écrans dans votre salon. Et ça nous permet effectivement de faire des modèles, c'est-à-dire des algorithmes qui vont nous permettre de prédire où est-ce qu'on va aller regarder. Donc, je vous le disais, on le fait avec un oculomètre, on vous l'a déjà présenté, et ça permet de créer des modèles, donc là, typiquement, qui utilisent les informations qu'on a pu acquérir avec l'oculomètre, les observations qu'on a pu faire, les interprétations. Et si vous vous rappelez, il y a quelques minutes, je vous ai dit que l'œil ne fonctionnait pas exactement comme une caméra et qu'en vrai, quand on regarde quelque chose, il y a une partie qu'on voit correctement et puis tout le reste, on le voit de manière un petit peu moins précise. Alors, dans le cas d'images qu'on regarde sur un écran comme ça, ce n'est pas très grave puisque vous voyez que l'écran il est globalement dans le champ de vision central et que tout se passe bien. Donc, ça marche. Par contre, dans la vraie vie, ou alors si on se place dans un environnement de réalité virtuelle, où on regarde un environnement à 360 degrés dans un environnement immersif, on se retrouve cette fois-ci avec du contenu dans tout notre champ de visuel. Et donc forcément, à un moment, on va regarder quelque chose, puis autre chose, et vous voyez que finalement, le contenu de ce que je regarde à un instant donné est très variable d'un moment à l'autre. Du coup, ce n'est pas si simple avec les petits modèles qu'on avait qui nous disent qu'on va considérer que tout est pareil à un certain endroit, de réellement prédire les choses correctement. Ce qui peut poser des problèmes, par exemple, dans les applications que vous présentez, Alexandre. Donc, du coup, on ne peut pas faire ça.
Parce qu'on a besoin de savoir finalement si on va aller regarder beaucoup plus largement, à droite, à gauche, et si les zones qui ne sont pas forcément très visibles vont quand même attirer notre regard. Donc pour pouvoir étudier ça, on a monté des expérimentations où on a essayé de séparer quand on regarde avec notre champ visuel central et quand on regarde avec notre champ visuel périphérique. Donc c'est ce que vous voyez sur les vidéos qui défilent. Là, la première condition que vous aviez vue, c'était la condition de contrôle où on voit correctement. Et puis dans les deux autres cas, vous avez des masques qui correspondent aux deux situations, quand on voit correctement dans notre champ central ou quand on voit correctement dans notre champ périphérique. Ça correspond aussi à des maladies qui existent, souvent liées à l'âge, par exemple la DMLA ou le glaucome, ça correspond à ça. Et donc on a fait ces mêmes études d'ailleurs avec des patients du CHU, avec la difficulté que ces patients sont souvent âgés, que les conditions pour pouvoir récupérer les données de manière expérimentale sont complexes. Donc il fallait qu'on combine les deux, et on s'est beaucoup basé sur ces simulations. Et quand on fait ces simulations, on se rend compte qu'effectivement, en fonction de ce qu'on a de disponible comme information, nos stratégies d'exploration visuelle sont très différentes. Quand on ne peut pas voir la partie centrale, on a tendance à revenir toujours au centre pour essayer de compléter l'information qu'on n'a pas. A contrario, quand on n'a que la vision centrale et peu de périphérie, on a une stratégie d'exploration avec peu de prise de risque, où on va aller regarder progressivement autour de nous pour pouvoir essayer de se reconstruire quelque chose. Alors ça, à quoi ça peut servir? Effectivement, ça peut servir à construire des modèles d'intention qui prennent en compte ces deux types de vision, et donc faire des choses plus réalistes, comme Alexandre le montrait. Mais on peut aussi utiliser la connaissance qu'on a acquise sur le fonctionnement du système visuel humain pour essayer de détecter la perte de vision, même quand les gens ne s'en rendent pas forcément compte. On pourrait imaginer mettre un casque de réalité virtuelle avec un oculomètre, ce qui existe maintenant assez couramment, sur la tête de quelqu'un, et en fonction de la manière dont cette personne aura exploré la scène, de déterminer si elle a un problème visuel ou pas. Donc je te laisse conclure. Très bien. Alors on vous a parlé là de comment est-ce qu'on pouvait récolter des données, comment on les interprétait, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, et comment on pouvait venir modéliser l'attention visuelle. En fait, on peut encore aller un cran plus loin. Dans tous les modèles, notamment les modèles d'apprentissage automatique, les modèles type boîte noire, qui s'appliquent à l'image, on peut utiliser nos connaissances sur la vision humaine pour créer des fonctions mathématiques qui s'inspirent de la façon dont on perçoit les images. Et notamment, c'est tout ce qu'on va mettre globalement sous l'étiquette de modèle d'attention. Où là, vous avez un exemple d'un modèle qui utilise ce genre de mécanisme. Alors c'est un modèle dans lequel un modèle de sous-titrage, donc on lui envoie une image et il doit nous décrire avec des mots ce qu'il y a dans cette image-là. Et ce modèle se repose sur un mécanisme d'attention. Donc pour chaque mot qu'il va venir prédire, il va aller regarder une partie de l'image différente. Donc quand vous avez un signe stop, pour prédire le mot stop, il va regarder particulièrement le signe stop dans l'image. Quand vous avez une girafe dans une forêt avec des arbres, pour prédire le mot arbre, il va regarder la partie extérieure, donc tout le background, tous les arbres. Et donc, toute cette connaissance qu'on va avoir sur notre système visuel humain, aujourd'hui, il se retrouve très concrètement dans les modèles de vision par ordinateur. Il nous permet de faire des choses assez impressionnantes, et notamment d'expliquer un petit peu cette boîte noire. Ça nous permet d'ouvrir un petit peu le capot et de venir regarder la façon dont ça fonctionne à l'intérieur. Bon, on va conclure là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Effectivement, je pense que vous avez capté l'attention du public. Est-ce que le public a des questions? Allez-y, juste devant le premier rang. Bonsoir. Je me demandais, est-ce qu'on regarde de la même manière dans toutes les cultures? Pas du tout. Non, on ne regarde pas de la même manière dans toutes les cultures. Alors, il y a des exemples très concrets. Par exemple, quand on prend un facteur comme le sens de lecture, des personnes qui ont appris à lire avec un alphabet latin de gauche à droite vont plutôt avoir tendance à explorer les images en partant de la gauche et en allant vers la droite. Et on observe plutôt l'inverse sur des langues comme l'arabe
ou des locuteurs chinois, par exemple, où ça peut être plutôt en horizontal. Merci. En vertical. Vertical, oui. Merci. Bonjour. Comment ça fonctionne un oculomètre ? Bonne question. On va pas vous en ouvrir un là-devant aujourd'hui, mais globalement, c'est pas très compliqué. C'est juste une caméra qui filme vos yeux. La seule petite différence, c'est qu'elle va utiliser un éclairage un peu particulier, qui est un éclairage proche de l'infrarouge, pour avoir des points de repère. Et en fait, les reflets de cet éclairage proche infrarouge vont permettre de définir une base sur laquelle, après, on va pouvoir déterminer la position des yeux. Mais c'est juste des caméras. Et après, c'est des algorithmes de traitement d'image, justement, qui détectent les pupilles et qui les positionnent par rapport à ces reflets. Donc, à la fin, vous montrez des photos et l'algorithme vous ressortit un texte. Est-ce que c'est le même principe qui est utilisé pour lorsqu'on met un texte, ça nous sort une image qui montre bien, par exemple, une personne qui lance un frisbee et c'est bien sur le frisbee que l'algorithme vient se focaliser et pas sur une dame ou autre chose? Génération d'image ou génération de texte? C'est une bonne question. Ça dépend des modèles. Certains modèles de génération peuvent effectivement utiliser ce genre de mécanisme d'attention. Alors pas forcément de cette façon-là exactement, en concentrant l'attention en mettant le frisbee dans une zone qui concentrera l'attention d'un humain. Mais j'imagine que ce à quoi vous pensez aujourd'hui, c'est des modèles type Deep Journey. Midjourney ou Dali ou ce genre de choses génératifs. Là, ça fonctionne sur un principe un petit peu différent, où il n'y a pas cet équivalent mathématique de l'attention à l'intérieur. Alors, ceci dit, il y a quand même toujours un peu d'attention, même dans ces modèles-là, parce que ces modèles-là font appel aussi à des modèles de langue, donc de nos collègues précédents. Et dans les modèles de langue moderne, il y a plein de mécanismes d'attention, justement, pour savoir quelles sont les relations entre les différents mots. Donc, d'une manière ou d'une autre, les modèles de génération d'images actuellement utilisent les mécanismes d'attention liés à la langue. Et les mécanismes d'attention ne sont pas toujours interprétables en plus. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions pertinentes comme celle-ci ? Oui. Par rapport au fonctionnement des modèles, et vous en avez parlé tout à l'heure, les boîtes noires et les boutons qui tournent et on ne sait pas trop à quoi ils servent. Je me demande qu'est-ce que ça dit sur la maîtrise de nos technologies. Est-ce que vous considérez ça comme quelque chose de lacunaire? Et si oui, est-ce que vous essayez de lutter contre? Est-ce que vous vous dites, boîte noire, c'est cool, ça va vite, c'est pratique? Enfin, peut-être pas, mais j'imagine comme ça. Mais en même temps, il faut garder de la boîte blanche, sinon, au bout d'un moment, on ne comprendra plus rien. Comment vous voyez cette problématique de votre point de vue? C'est une bonne question. Je vais essayer de répondre très rapidement. Ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Si je m'intéresse simplement à de la performance, ça ne me pose pas de problème de ne pas forcément savoir ce qui fonctionne derrière. En revanche, si j'ai vraiment envie de connaître une relation physique entre de la façon dont mon modèle fonctionne, là oui, effectivement, c'est des genres de modèles qui sont un peu problématiques, même si y a toute une branche de recherche en apprentissage automatique, en machine learning, qui s'intéresse à expliquer la façon dont ces modèles fonctionnent. C'est un problème qui est très compliqué, et je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore au niveau où on est capable d'ouvrir la boîte noire. Merci Alexandre et Mathieu. Je suis désolé pour la dernière question, on va être obligé de s'arrêter là et de conclure, mais n'hésitez pas à nous alpaguer si vous nous croisez dans le couloir pour poser d'autres questions. Merci encore du coup à tout le monde pour l'organisation de cette conférence. Je vais rendre le micro à Maxime et vous souhaiter une bonne soirée. Oui, on peut encore les applaudir chaleureusement. Et en vrai, n'hésitez pas, hein, si vous les croisez,
dans les couloirs, à leur poser un peu plus de questions. Et ça, c'est valable pour tous les intervenants que vous allez rencontrer pendant cette soirée. Nous, on se retrouve dans une petite vingtaine de minutes. On a pris un petit peu de retard, donc c'est 19h30. Ici, la suite. Et voilà, bonne exploration du reste de la Nuit Blanche des chercheurs. Et rendez-vous tout à l'heure pour une conférence dansée qui s'appelle « Savoir écouter les corps ». À tout à l'heure.